Et salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la 7ème vidéo sur Uncharted Drake's Fortune, le premier opus de la saga Uncharted. Dans la dernière vidéo, eh bien nous nous étions arrêtés au chapitre le poste de douane. Nate, dans les derniers événements, voilà, au vu de comment la tournure que cette affaire a l'air de prendre, eh bien, décide d'abandonner tout simplement, et en compagnie de Elena, eh bien, ils veulent regagner donc le poste de douane où il y a un petit port avec un bateau, et ils comptent utiliser ce bateau-là pour eh bien, pouvoir s'échapper. Et évidemment, bah, sur la route, hein, il y a toujours ces mercenaires qui ne nous lâchent pas d'une semelle, mais qu'on arrive quand même à vraiment tout déblayer. On manque... Ah tiens, on manquait de munitions. Ok. Et que dire de plus, les amis? Eh bien, j'espère que la saga vous plaît. Alors, je suppose hein, que la plupart d'entre vous connaissent la saga Uncharted. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, bah, c'est une occasion de la découvrir et de la vivre. Donc voilà. Et évidemment, après qu'on en aura fini avec Uncharted 1, j'enchaînerai sur Uncharted 2 et 3. Mais il y aura certainement des petits let's play qui seront en parallèle ou qui viendront s'intercaler entre les let's play. Ça doit être les manifestes des vieux bateaux. Ça semble encore en bon état. Hé, hey, regarde ça. C'est intéressant. L'Esperanza. Provenance Callao, Pérou. Transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent, des émeraudes, des masques en or, des ornements. Oh, tu lis l'espagnol du 16e siècle? T'es pas qu'un simple pilleur de tombes, en fait. Juste là. Statue d'or. Poids 20 arrobas. Plus de 250 kilos. Ça peut être que ça. Waouh. Et voilà. Ce truc me donne la chair de poule. Hein? Y a plus rien après. C'est quelqu'un de spécial? Quoi? Ah. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Hein? Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir une femme dans chaque port. J'aimerais bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai en quelque sorte hérité. Sic parvis magna? La grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Regarde la date. 29 janvier 1596? Un jour après sa mort supposée. Attends, c'est quoi ces chiffres juste là? Des coordonnées. Juste au large de Panama. Oh, c'est comme ça que t'as trouvé le cercueil? Ouais, exactement. Tu vois, Drake a laissé cet indice pour indiquer l'endroit exact de sa dépouille. Pour que quelqu'un d'assez intelligent le découvre. Ouais, bien tenté. Mais on va quand même prendre ce bateau. Ah, j'ai bien peur qu'on ne se rapproche pas plus d'Eldorado. Eh bien voilà. Donc on a vu un petit peu la, une caricature. Enfin, c'est pas vraiment une caricature, c'est vraiment le dessin de ce qu'est l'Eldorado. Hein, qui, pour rappel, n'est pas une cité en or, mais une idole en or, hein, qui pèse son poids. Et donc là, on a su bah, un petit peu bah, comment le jeu avait débuté, du coup, hein, que... Il est là-bas. Oula. Qu'est-ce que vous faites, là? Allez, dégage. Sérieux, bien. Ah. Hey. Ah, t'es mort. Putain. Quoi?
Tu me tires d'où, toi? Putain, en plus, il m'a... Il m'a coupé dans ce que je disais. On va se remettre bien, vous inquiétez pas les amis, mais voilà, on va prendre le temps. On est bon là ou ça va? Mission. Non, ça on va pas. Ah, petit trésor, boucle de ceinture en argent. Oui, donc, comme je commençais à le dire, d'ailleurs, tiens, il y a encore des ennemis là. Allez, toi tu dégages. Eh bien, c'est grâce à la bague que Drake a su où chercher le cercueil qui devait renfermer la dépouille de Francis Drake, mais qui au final était vide. Hein. Enfin, était vide pas tout à fait, car il restait le carnet. Alors, on a qu'à 47, on est bon. Pas d'autres munitions. Bon, on va activer ça. Ah. Je vois pas de bateau, Nate. On dirait vraiment qu'on a loupé le coche. Non, le voilà. De l'autre côté du port. Allez. Eh, tu sais quoi? Pourquoi j'attendrais pas ici que tu... Que tu reviennes me chercher? Ok, qu'est-ce que tu mijotes? Mais rien. Je veux juste, tu vois, rester là et filmer un peu. Je ferai gaffe. Bon, très bien. Mais promets-moi que tu seras sage. Dans tous les sens du terme. Ok, donc on va laisser Elena faire... Bah rien foutre en final parce que nous on fait tout le boulot quoi. Donc elle viendrait même pas nous aider. Voilà. Et évidemment, on va avoir de la compagnie. Alors, je crois qu'il faut spammer la touche. Hein. Ok. Alors, ça, c'était sûr. Et là, vous êtes obligé de souvenir de vraiment les tuer parce que sinon, ça sera très très chiant. Et ok, je suis allé un peu trop vite. Alors, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que. On est obligé de se retaper les... Les gunfights. Ok. Donc là on est bon.
sûrement un truc à faire là. Ah bah oui. Regardez. Bah voilà, hein, c'est ça d'aller un peu trop vite. Donc là, vaut mieux prendre un peu d'élan. Et voilà. D'autres ennemis en contrebas. C'est qui au piège. Attends voir, c'est pas Eddie ça? Non, non, ça va être les hommes de Roman, je vous le dis. Grande zone, bah attendez-vous à du gunfight les amis. Hein. Aïe, 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 aïe. On va y aller à la calache, hein. C'est pas vrai. Ok. Putain. Oh là là, mais... Mais c'est incroyable, sérieux. Non mais... merci, arrêtez de m'enchaîner, quoi. Non mais je suis déjà presque mort, sérieux. Oh là là, hey, ça va me rendre fou déjà. Oh. On essaie des fins techniques, hein, mais à moins que la technique, c'est Eh, je peux pas me... Ah oui, merci quand même Eh, mais sincèrement, je ne comprends pas. Autant, jusqu'à maintenant, on roulait un petit peu sur... sur les événements, mais là... On se fait enchaîner. Mais c'est même pas... On se fait enchaîner, on se fait violer. On se fait violer là. Oh mais sérieux. Mais de souvenir, ce passage là il était pas si ardu quoi. Non mais j'y crois pas. Oh, tu te fous de moi ou quoi? Voilà.
sérieux, il meurt quand lui? Bon. Éliminez-le. Je parle à qui là? Arrête d'être sur... Ah oui. Bon. Est-ce que je pourrais être un peu tranquille, s'il vous plaît? Parce que là, vous m'avez clairement saoulé. Quoi? Mais t'es où? Oh, mais sérieux, mais vous êtes combien, là? Mais... Y'a un problème! Mais. Mais c'est incroyable! Mais ils sont où, sérieux? Oh là là, puis faut reprendre tout depuis le début. Eh, hey, je vous jure! Mais d'où ils sortent, ces gars? Oh non! Monte. Regarde, on va faire un truc très très marrant. Oh là 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 là, mais c'est incroyable de perdre du temps là-dessus. On peut pas se mettre à couvert là-dessus, mais c'est ouf! Non mais c'est ouf. Oh!
crois que là on n'est pas au bon endroit. Il en reste encore un. Ça. Ça lui fait mal. Dis-moi que c'est les derniers, là. Ok. Ça a l'air d'être les derniers. Bon. Eh bien, mes amis, c'est chiant. Ça a été chiant. C'était du n'importe quoi. Il y avait un sniper là, mais clairement, j'utilise pas les snipers dans Uncharted. De souvenirs. Bon, on va essayer de se refaire en munitions. Hein. Il y avait également des petites munitions à droite à gauche. Comme vous pouvez le voir ici. Mais là, clairement, j'espère que vous ressentez hein, la. Comment dirais-je ? La chose en fait, c'est que on se faisait violer quoi. Bon. Du coup, on va devoir activer ça. J'espère que il n'y a pas d'autres vagues d'ennemis. Qui vont venir. Bon bah voilà, de toute façon il y avait un temps limité pour passer là.
Bah là, on va arriver au bateau. Ah, ça se mérite le bateau, hein. C'est pas vous voyez un bateau et puis il vous est acquis. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut vraiment que tu vois ça. Là, c'est pas vraiment le bon moment. Non, Nate. Mais qu'est-ce que t'as? Il faut vraiment que tu vois ça. Quoi? N'oubliez pas ce qu'il y a sur le quai. Et... Salut. Il est vivant. Maniez-vous. Je sais pas, Nate. Mais bon... Tu lui fais vraiment confiance? C'est pas comme s'il braquait un flingue sur lui. Oui, je sais. Pourquoi trop qu'on traîne par ici? C'est bizarre. Mais non. Celui-là a des défauts, mais c'est pas un traître. Où est-ce qu'ils sont partis? Vers le nord. Oui, vers les montagnes. Ok. Ça doit être le monastère. Allons-y. Et si on découvre qu'ils bossent pour eux? Soit on le sauve, soit on lui casse la gueule. Je vais lui casser la gueule de toute façon. Ok, donc... Sully... Et finalement, on vit. Alors, comment il a fait pour survivre, on ne sait pas. En tout cas, vous, vous le savez pas encore, mais moi, je le sais. Et donc, on va devoir, du coup, au lieu... Quoi ? Au lieu... Oh, putain. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Là et bah et toi qu'est-ce que tu fous alors toi tu laisses un mec venir jusqu'ici toi. Ok. Donc au lieu de s'échapper, eh bien on va devoir aller apparemment dans un monastère et le voilà. Ça te sauvera pas. Et allez voir Sully. Alors le mec en rouge là, si tu pouvais. Ok. Que les mecs en rouge, soit ils ont des longues grenades ou des trucs, et c'est chiant. Donc on va essayer de se faire ça le plus simple possible. Hein. Tant qu'à faire. Ah vous voyez, il avait un lance-grenade encore. Et ça peut faire des dégâts. Bah mine de rien, on va pouvoir se refaire en munitions de... Oh, le petit trésor. Pièce d'or espagnole. Qui est l'icône de chargement hein, du premier opus. Bah voilà, parfait. On est presque bon. Bon, il va y avoir encore des ennemis à abattre, et c'est ça qui va être chiant. Mais, il n'y a pas le choix. Ah, là, on peut pas sortir d'armes sur le pont. Comment un truc pareil a pu arriver? Tu vois ces traces? Mmh. Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Oh.
Fais attention. Certaines de ces planches sont carrément pourries. Elena, j'y arrive pas. Donne-moi ton autre main. Il faut que tu la lâches. Mais merde. Fais chier. Okay. Tout va bien. Allez. Ça va. Bon, bah, Elena a perdu ses caméras, mais on lui aura sauvé la vie. Bon, de toute façon, sa caméra, on s'en fout un petit peu, hein. Ça apportait rien au scénario, enfin au gameplay. J'allais dire scénario, mais ah si, hein, c'est une journaliste, donc forcément, faut bien qu'elle ait une caméra. Alors la suite, c'est pas où. Bon là, il y aura forcément un petit trésor quelque part. Ouais. Ah, ça c'était sûr. Hein. Calice espagnol en argent. Ok. Bon, on en a certainement loupé. Après, comme j'ai dit, hein, les trésors, voilà, j'explore quand même un minimum. Si on en trouve, c'est bien, mais je ferai pas le 100%. Hein. Si vous voulez des let's play faits à 100%, etc., bah, désolé, ça sera pas sur cette chaîne-là. Ok, donc de retour. De retour en pleine jungle. Alors attends, il y a un truc par là, il y a un autre truc par là-bas. On va déjà aller voir là-bas qu'est-ce qu'il y a. Bah il n'y a rien en fait. Ok. Donc la suite c'est bien par là. Et on veut des réponses. Voilà, on l'a sans se faire voir, c'est encore mieux. Je le vois. Mon Dieu. Ah, sans gunfight, évidemment. Ils sont vraiment partout. Hein. Allez, montre-moi ta tête. Voilà. Mais vraiment, heureusement qu'on n'a pas à s'occuper d'Elena. Allez, hop, toi tu dégages. Faire mal. Toi, tu dégages. Ok. Bah. Ok. Et tiens, prends-toi ça. Faire mal. Voilà. Cette rivière devrait nous mener au monastère. En remontant la rivière. Bah voilà, parfait. Y a pas des munitions de flingue. Toi non, ok. Bon bah les amis, on va s'arrêter ici. En remontant la rivière, on va s'arrêter ici pour ce 6e ou 7e épisode. 7e épisode. D'ailleurs, on va falloir que je me remette bien dans les numéros d'épisode. Et voilà, et on ira donc à ce fameux monastère. Dans la prochaine vidéo, on se fera encore une petite séance de jet ski. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le petit soutien, ça me ferait plaisir et c'est quand même important. Hein. Le petit abonnement, activer les notifications,
Laissez des petits commentaires, des petits pouces bleus si ça vous a plu. Allez voir les autres playlists de la chaîne. Les lives le lundi à partir de 20h30, 21h. Il pourrait avoir des petits lives vraiment exceptionnels en semaine. Mais voilà, les vrais lives se feront le lundi soir. Donc sur ce, on se donne rendez-vous très très bientôt les amis. Salut, salut.